They want me feel that like Abbas. We can manage a Nigeria. Definitely going to feed them nothing no hard. Oh, we said not kill them. We have a little moment not kill them. We won't get a better than kill them. We want to look at normalizing road. Oh, we said not kill them. We have a little moment not kill them. We won't get a better than kill them. Just kill them. Now I'm the actor, yo, yo. He get 1 million Chinese, million Chinese. At a number, only a mobile can come. He get 1 million Chinese, he get 1 million Chinese, million Chinese. At a number, only a mobile can come. He get 1 million Chinese. For money, money, I'm gonna make a decision. Let me see. For cash, I'm gonna make 1 million. For the best, I'm gonna go to the shop. He get the same, but man, to be far from the 1 million. For money, he on the money. Comme on a dit au début, il n'y a pas à jeter chez le pop-up, tout le monde a mis des pièges pour le tomber.
Viene un otro grupo puto de yo que vive. Cabo de tu pucho probado aquí que si ven. Oye que hasta el mojo el otro música vive. Me jorge no que lo va a sacar de tomo foja. Show. Chante
le charme et la beauté, fait d'une claire pureté. Par ses odes en parabole, ainsi encore ici, en ce symbole, il te rappelle que son sort, au tien, est lié jusqu'à la mort. Je veux, poète guyanais, donner à ce pays que je connais, qui me connaît, degré ou de force, l'étincelle qui jaillit de l'avance. Car tout n'est pas désespéré. Sans avoir tout exagéré, il y a bien pire situation. Nous devons croire à la résurrection, sans retarder en arrière. Marchons ensemble. Mon bénédicte Sophia. Thank you.
Sous la mer,
Suivons avec le théâtre de Louvercel qui va nous interpréter un premier extrait du roman de Peau et de sang d'Evra Paillé. Evra Paillé, jeune femme lyonnaise diplômée de droit, est juriste de profession et écrivain public. Membre de l'AGE depuis de nombreuses années, elle a déjà apporté son concours au sein de l'UAGE. De Peau et de sang est sa première œuvre, sortie le 15 septembre 2015 chez Edulivre. Dans ce livre, les héroïnes se croisent, se heurtent ou s'ignorent, mais iront jusqu'au bout d'elles-mêmes, soulignant par là leur existence dans ce bien en pleine innovation. Accueillons le théâtre de l'Université. Le lendemain matin, en direction de Saint-Laurent-du-Maroni, là où elle vit depuis un an. Elle a refermé son smartphone la veille et était restée au chevet de son amie Loretta. Dès qu'elle l'aura lu, elle s'aperçoit qu'elle a reçu exactement 15 messages, dont plusieurs de doigts. Oh, je le rappellerai plus tard, se dit-elle. Pourtant, quelques minutes plus tard, sonnette à vibrer. Sur l'écran, elle s'affiche. Elle appuie sur sa petite main libre. Elle ajuste ses oreillettes. Depuis les deux amendes d'affilée qu'elle s'était payée, ainsi que les 6 points en moins sur son permis de conduire, elle a compris que les meilleures blagues pouvaient être les plus lourdes conséquences. Salut, Lady, dit-elle. Ah, j'étais inquiet. Tu aurais pu m'envoyer un message pour me rassurer, mon bébé, lui reproche gentiment les doigts. Et dis, tu sais bien que je ne l'aime pas quand tu m'appelles ainsi. D'accord. D'accord, mon amour. Comment vas-tu? Tu me manques, tu sais. Je sais. Au fait, comment va ta copine qui m'a valu d'être abandonnée en plein dîner? Oh, je ne parle pas. Je suis affligée par cela.